La piste est finie, la route est finie, on prend la piste. Et voilà, bye bye Yomboué. Et on arrive à la fin de l'asphalte, donc maintenant c'est la piste qui va sortir, la piste nationale. Mais nous on va aller jusqu'à Iguela, donc c'est une centaine de kilomètres. Moins que ça. Allez, c'est parti sur la piste. Ils font des travaux, ils refont la piste, c'est très bien. Elle est nickel la piste. Je n'ai jamais vu la piste de, au sud de Yomboué si bonne. C'est vraiment un billard. Ça roule entre, on roule entre 70 et 80 à l'heure. Donc à ces vitesses-là, on fait de la route, c'est bien. Nickel, c'est super beau. Voilà l'aventurière qui arrive. Bravo. C'est vrai? On va aller tranquille. Du sable, en fait. J'étais parti dans le sable. Bravo Laure. Il est bien passé. On avance un petit peu de sable, mais la piste en général elle est très bonne, donc on roule bien. Super, on passe bien, madame passe bien aussi, c'est super. Bravo. Ok, on prend la route nationale Ravine, Chongorové, Pivier, et ça c'est la route qui va à Iguela. C'est parti. Ok, il y a l'or qui arrive, il y a un petit peu de sable, mais ça va le faire. Pourquoi tu veux que je passe ta moto ou tu vas passer? J'en ai marre là. Je suis stressée là. Ça va? Ouais. Je filme. La panne à Gabon. Là, je sors de ma zone de confort. Et voilà, j'ai passé la moto à l'or. Maintenant, je passe la mienne. Et voilà, on est là. Ah, de plus loin c'est pas, c'est mieux. C'est pire, t'allais dire. Non. Bon, va devant, à ton rythme alors. Et si toi tu les sens pas, c'est moi qui prends, ok? Ouais, c'est ça. On n'est pas pressé. Il manque 40 km et on a tout l'après-midi. Donc on n'est pas pressé. Et voilà, c'est reparti sur la route. On va aller tranquillou. Là, il y a moins de sable, donc l'or avance bien. C'est pas facile avec sa moto parce que sa moto elle est plus lourde, donc. Une Royal Enfield et Himalayan pèsent dans les 190 kg. Donc dans les sables c'est moins facile qu'avec ma KTM. Et en plus elle est moins puissante. Donc on a moins de pêche pour passer. Mais elle fait ça très bien. Et maintenant on brûle toutes les plaines. On met le feu, c'est la tradition. Donc il y a une bonne partie des plaines qui sont brûlées comme ça. Et après ça repousse. Je ne sais pas si c'est bénéfique ou pas, mais on fait ça tous les ans. Oh, ça, surtout dans le sable. Je vais à droite. La voiture va aller et la pilote. Mais tu te démerdes super bien. C'est super. Con el rhum, con el whisky, con los... Il faut toucher la voiture. Tenemos el todo el vino, tenemos el todo en la... Que no falte vino, tenemos todo lo que hay que tener. C'est bien. C'est parti vers Luango. Eh, hey, il n'y a que 10 km plus ou moins. C'est pas beaucoup. Bon, c'est pas la même piste ici. Malheureusement.
C'est dur, mais c'est étroit. Et il y a un peu plus de sable. J'espère que l'or va pouvoir passer, parce que c'est pas pareil. Bon, mais l'or ne vient pas, donc je vais aller voir qu'est-ce qu'il se passe. J'ai fait demi-tour. Ah, ça va? Bravo. C'est Stéphane qui a pris la moto et il est parti. Il nous a volé la moto. C'est cool, il roule bien. Du sable, du sable. C'est vrai que l'or a bien fait de passer la moto à Stéphane. Et en saison de pluie, il n'y a pas de sable, mais il y a de l'eau. Donc on n'est jamais bien. Bravo. Hein? Félicitations. Non, non, c'est bon, c'est bon. Prends comme ça, moi. Ouais. Ouais, on va à 30 à l'heure, ouais, c'est ça. C'est magnifique par ici, c'est super beau. Ces plaines là, les plaines d'Iguela là, c'est super. Voilà l'aventurier qui arrive avec sa moto. L'aventurier, ça c'est. Norme de sécurité, pas de casque, pas de chaussures, rien du tout. Chaussures de sécurité, pantalon de 4 ans. Mais bon, mais ça c'est une moto indienne pour aller dans l'Himalaya. Et voilà, il est parti. Et voilà la voiture qui arrive, non? Luango Lodge, on se rapproche. Ok, on va aller voir les chefs des villages. Ok, on y va, on te suit. C'est parti. Où tu veux? Oui, Dimitri, on arrive là. Alors, vous descendez tout droit, juste la gauche, il n'y a pas d'autre séparation. D'accord, mais. Carrefour. Ok, mais on est avec ton collègue là, il nous guide, on arrive. Ça marche. Merci, à tout de suite. Ça c'est... Waouh, ça c'est quelle machine ça? Ça c'est la machine de la brousse. Oui, ça c'est pas fort. Ça va? Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? La forme? Ouais, et vous? Ouais. On s'était vu à la Lopé et ensuite à Sogar. Ah, la Lopé, c'est ça. À Samsam aussi. Oui, et ah oui. Ouais, vous allez bien? Ça va, vous, toi? Voilà, ça c'est le village à Dimitri. C'est ça. Bonne arrivée. Et voici les chefs du village. Pardon, le chef du regroupement. Voici les très belles chambres ventilées avec des panneaux solaires. C'est chez lui ici. D'accord. Donc voilà, je préfère vous installer chez lui et vous avez les deux chambres qui sont prêtes pour vous. D'accord. On va les voir maintenant et puis on s'installe. Donc. On a tout ici, pour vous montrer, de l'eau. Ah, ouais. Voilà, il y a un dos, mais le problème c'est qu'on a un seau. Ouais. Bon, vous savez, ici on est à Chungurove. Chungurove, c'est mon village natal. Et c'est moi le chef finalement de ce village. Mais en dehors de la chefferie, c'est moi le chef de terre de ce village. C'est un village laissé par mes ancêtres. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un peu la pêche.
Il est là, regarde, il est sur la table. Là, quand il n'y a pas la pêche, on est là à l'agriculture. Et là, pour le moment, j'ai fait des chambres. Okay. Okay. Et ma nièce a pu venir installer des chambres à location pour les touristes. Tout ce qui passe, qu'ils viennent, qui n'ont pas de maison, qui veulent venir voir, visiter le coin, ils viennent habiter et on fait louer les chambres. Et quand il y a une possibilité même de faire nous manger, s'ils veulent qu'on les fait la nourriture, on les fait manger à africain, voilà. Gabonais, on disait Gabonais, voilà, on fait manger Gabonais. Alors nous, vraiment c'est beaucoup intéressant. Et nous voulons que les gens viennent, qu'ils viennent énormément, qu'ils viennent visiter. Surtout le parc Ligela, qu'ils viennent visiter le parc Ligela. Et ça me fait plaisir. Et quand ils viennent, c'est bon. Et voilà, ça ce sont tous les chambres. Et nous on confirme parce qu'on a dormi ici, c'était très bien, avec les restaurants à côté. Voilà, d'après la pause tranquille, vous me dites, on va voir un peu ce chavoir et des petits singes qui restent autour. Okay. Et après, j'ai une surprise pour vous à la savane quelque part. Et ça reste pour moi. Et voilà, et on revient par là. Ok, et demain? Et demain, on a prévu départ pour 8h. On prend le bateau directement là, pour, à Kaka. À Kaka. Voilà. Donc sur la lagune, vous allez aller un peu plus vite. Au niveau de la rivière, c'est à partir de là qu'on va commencer à faire les observations. On va tout doucement, accompagné d'un pique-nique sur la rivière et vous rentrerez en soirée. Ok. Voilà. Les villages, comment tu appelles les villages en fait? Le village, non, c'est un Tchongorobé. Un Tchongorobé, oui. Ça, c'est la place de Tchongorobé. Petite marche du soir. Regarde, un tout petit fruit vert, voilà cet arbre-là. Okay. Voilà, ça donne beaucoup de fruits en ce moment qui attirent les éléphants. Magnifique là, ici. Et ça, c'est le site de la NPN, à côté de la lagune. La brigade d'Iguela. Il bosse hein, de l'arrière. C'est un escravé fameux. Et ça, c'est un touriste. Si ça peut te faire plaisir, je suis pas contrariant moi comme gars, il n'y a pas de souci. Ah, c'est sympa ça. Le soir là, c'est super agréable. Oh, l'arbre il est magnifique. C'est un fromager. C'est un fromager. C'est un fromager. C'est les épines. Mais c'est avec ça qu'ils font les pirogues. Regarde la liane. C'est une liane, ouais. Elle vient d'en haut. Ah. Alors, elle va jusqu'en haut. Pour amener l'eau. Et là, on est chez Dimitri. C'est chez Dimitri ici. Avec les fils à Dimitri. Bonsoir. Les vins de palme. Les trois qualités des vins de palme. Ça, c'est le vin amer. Ouais, là, il y a les écorces. Il y a l'écorce. Le sucré, on n'est même pas l'écorce. Et celui-là, Dimitri, ça, c'est celui qui a les bois, qui a l'écorce. Il y a l'écorce. Ça, c'est l'écorce. Et qui est un peu chaud. On sent bien l'amertume. C'est pas pour ça qu'il faut prendre 14 litres non plus, le gars. Hein? Hein? Allez, Chine. À la santé. Et donc, là, merci pour l'accueil. Alors, attends. Avec les chefs du canton. Ça, c'est le chef de regroupement. Aningo, c'est. Aningo, ça, c'est. Aningo, la bouteille, c'est bon. Bon, alors, Hans, on va ramener une Aningo. Parce que là, je trouve qu'elle a une drôle de couleur, ta Aningo. Non, on a mis les toutous. Et voilà, on a bien dormi ici. Maintenant, on va partir en brousse. Les motos sont tranquilles. Et voilà, là, on est en direction du débarcadère pour prendre la pirogue pour aller à. Où ça, c'est Dimitri? Ah ouais, bonjour. Pour aller où? À Kaka. À Kaka. Ouais. Bonjour. Bonjour. Oui, bien sûr. Alors, Juan, on va où? Alors, on va partir à Kaka. À Kaka. Avec la pirogue.
avec Maurice. Dans la rivière Ngoé. Ngoé. La rivière Ngoé. Okay. La caca, c'est le campement, mais la rivière, c'est la rivière Ngoé. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce que la nature va nous laisser observer. C'est ça, comme a dit monsieur. On ne prévoit rien à l'avance. Pas de pronostic. Pas de pronostic. On va voir. Et voilà, embarquement sur la pirogue. C'est parti pour la caca. C'est parti pour la caca, Dimitri. Ouais. Et ce soir. Allez, ciao Dimitri, à tout à l'heure. Et c'est parti. Ça, c'est l'ancien campement de Luango Lodge. On est en route vers la caca. C'est quoi ça, celui-là? Hein ouais. Ça, c'est le Ibis Akaka. C'est des falaises de nylon. Ah ouais, dis donc. Quand c'est un couple. Oh, le nid, oui. Quand c'est un couple, il y a deux trous. On a le mâle au-dessus, la femelle en-dessous. Arrive bientôt. C'est loin en Amérique. Non, à Caca. À Caca, c'est loin aussi. Encore. Ça, c'est la Ninga. Ah ouais. Ah oui, il y en a plein. De la pêche sous-marine. Ouais, le cormoran. Là-bas, c'est l'Ibis à Caca. Et voilà, en route vers Caca, dans la rivière. En attendant, on a vu beaucoup d'oiseaux. C'est très beau. Ça, c'est une ombrette qui vole, qui nous précède. C'est quoi cet animal? C'est un éléphant de forêt, non scientifique, l'Oxodonta africana cyclotis. Et il est là. Voilà, un bel éléphant qui nous montre son cul. La salle. Non scientifique de l'éléphant de forêt, ouais. Parce qu'il y a l'éléphant de savane et de forêt, ça c'est ceux de forêt. Non scientifique, l'Oxodonta africana cyclotis, dans okay. La famille des éléphantidés. Okay. Super. Et là, c'est un commentaire de oh, monsieur. Maurice ou Popopo, c'est la même chose. J'adore ce vert, hein. Un autre Asala loxodentus. Il y a trois éléphants. Ah. Il est beau cet éléphant. C'est toujours des Asala, hein, c'est pas les porteurs. Les porteurs chez nous en Bantou, on appelle Otimbo. Et ça, c'est les campements des Akaka. Ici. Bonjour. Et ça, ce sont des touristes qui filment. Ça, un éléphant qui est là-bas. Mais voilà, on est arrivé, on a fait 68 km. Et on fait demi-tour. Et prix qu'ils croyaient prendre. Voilà des touristes. Alors maintenant on va aller pique-niquer. Un vautour palmiste en haut. Ok. Et là on va s'arrêter au campement des Ngwani. Pique-nique. Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est des grosses traces d'éléphants. Ah, putain, j'ai... Ou alors c'est un ah, foot oui, ou... Il mais est là, monté c'est... là, carrément. Là, c'est net. Hein.
Là, là, et là, t'as l'autre qui s'est écrasé. Les deux pieds qui étaient là. Ça. Regarde, regarde ça. Partout. On va pique-niquer vite fait. Et là, il y a un Sitatunga mâle. Il est beau, hein. Sitatunga mâle. Je la suspecte. Il est beau. Il y a ce éléphant là derrière encore. Tu as vu les hippopotames? Oui. Ils sont sortis par après. Ils sont en dessous, net là où nous passons. Ouais. Il y en a un qui est plus près. Ah, ça va, attends. Cheers. Il nous regarde quand même, hein. Ouais. On vient en paix. Oh là là, génial. Il vient vers nous, par contre. Ouais, il s'approche, il vaut mieux partir, là. C'est dangereux. Ça va pour l'instant. Ok, we go. C'est barré. Il est là, il avance. Ouais, il avance vers nous sous l'eau. Là, c'est ce qu'on voit là. Ah, ça va. Et c'est quoi le nom scientifique de l'hippopotame? Hein? Le nom scientifique de l'hippopotame. C'est quoi? Ok, très bien. Alors là, nous avons un touriste fatigué. Donc, il est 17h moins, ok, et on est au Labourdonné. Pourquoi, hein? Non, mais c'est pour se réchauffer. Tout par un coup, hein? On peut faire la pub pour tous les alcools, tu vas être sponsorisé, après, tu vas tous t'appeler. C'est ça. Et voilà, on va partir ce matin, on revient à Port-Saint-Denis. On va chercher la moto alors dans la voiture pour la partie sable, et après on s'en va. C'est pour mettre la moto. On avait vu, voilà, il vient ici, comme ça, ouais. Doucement, doucement, doucement. Stop, là. Ah, tu mets pas la planche. Ok, c'est bon, stop. Non, mais là, tu vas lever quand tu vas arriver là. Ça va, c'est très bien. Je pense à l'arrière ou pas? Ah non, tu ne mets pas mieux là. Mets-le directement là-bas. Ouais, on va le mettre directement, c'est ça. Voilà, cherchez mon... anachronique et anarchique. ça sera, c'est Steve qui a voulu faire comme ça. À tout de suite. Et voilà la moto sur la voiture, tip top. On quitte le village de... Le village de... Comment il s'appelle le village ici? Tiangorove. Là on a la maison de Dimitri qui est juste derrière là-haut. Voilà l'école du village. Bon ben la moto a l'air de bien se comporter derrière pour l'instant. Et voilà, on quitte Gavilo Luango. Voilà, je voudrais être avec lui, mais moi le sable c'est pas trop mon truc. Et là on brûle parce qu'on est en saison sèche.
Et c'est la culture du broulis pour essayer d'avoir de l'herbe un peu plus verte après. C'est la roue qui commence à tourner un peu. Tu vais peut-être étendre un peu la sable alors. Un petit trou. Mais je pense que... Ah ouais, ça s'est étendu. Jolie piste gabonaise. Descend la moto ici ou pas? Alors? Qu'est-ce qu'elle fait, madame? Elle passe le bac à sable, le gros bac à sable que tu as. D'accord. Elle reprend après. Ok. Je vais aller devant parce que j'ai l'air de bouffer la poussière. Ok. C'est parti? Bon ben voilà, on va redescendre la Royale. Il y a moins de sable pour moi, c'est cool. Je vais reprendre ma moto. Vous avez besoin d'un coup de main ou... Oui. C'est non, mais je me sens un peu concernée, c'est quand même ma moto quoi. Ça y est, madame s'en va et je reprends la moto. Et voilà, c'est la fin du voyage. Une belle petite aventure qui s'est finie. On arrive à la civilisation. Mais comme d'habitude, le Gabon, c'est un pays merveilleux qui a énormément de choses à offrir à ceux et à celles qui s'aventurent sur leurs pistes.